Bonjour. Valoriser des initiatives positives, c'est un peu l'ADN de demain. C'est aussi la raison d'être de la France des solutions, portée par Reporters d'Espoir. C'est pourquoi La Belle Entreprise est particulièrement heureux de recevoir Gilles Van Der pouten le directeur de Reporters d'Espoir, et à ses côtés Philippe Guéret, le dirigeant, le président de M2I, Life Science, lauréat 2016 de la France des Solutions. Bonjour, messieurs. Bonjour. Pour commencer, Gilles, est-ce que vous pouvez nous expliquer ce qu'est la France des Solutions Oui, bien sûr. Alors, c'est une opération de mobilisation de la société française autour de la prise d'initiative. On part du constat que, vous savez, il y a beaucoup de gens qui nous dépeignent, la France qui tombe, les malheurs du monde, etc. Nous, on prend le parti qu'il faut parler de ce qui fait avancer aussi. Il faut parler des problèmes et des solutions. Et euh, dans notre société qui a tendance à être assez pessimiste, euh, on se dit voilà, voilà un moyen de redonner de l'envie d'agir et, et de la croyance, de la foi dans l'avenir. C'est ça l'idée. Et général. donc alors concrètement, il y a cette France des solutions qui est un peu invisible. Comment vous la rendez visible Alors on a trois actions. La première, c'est un événement physique euh, qui a lieu à Paris, mais aussi dans les villes de France. Euh, on fait des conférences, des interventions, on fait des sortes de conférences TED Made in France, avec des gens qui viennent pitcher, qui viennent débattre, etc., partout en France. On a fait une douzaine de dates euh, en 2017. On est bien parti en 2018 euh, pour en faire d'autres. Donc c'est des événements physiques, des événements médiatiques. On rassemble 30 médias pendant une semaine qui, eux, se font les, les porte-voix de ces initiatives. Euh, et puis c'est un concours aussi cette année, c'est une nouveauté. On va mettre à l'honneur et distinguer financièrement. Des initiatives de terrain. Alors, c'est un concours, une nouveauté, mais il me semblait que Philippe était lauréat en 2016. Elle est où, la petite astuce Tout à fait. Alors, c'est la première fois qu'on va remettre des prix financiers. D'accord. Avec notre partenaire, la Caisse d'Épargne île de france qui fête ses 200 ans et qui, pour marquer le coup, nous a dit est-ce que ça vous, ça vous tenterait qu'on fasse un, un vrai concours cette année, euh, même si les précédents n'étaient pas faux, mais un <laughs> concours doté Donc, il y a des dotations, c'est ça la, la nouveauté et donc en 2016, parmi les lauréats, il y avait M2I Life Science. Quelle est l'activité de cette entreprise M2I, c'est un groupe de, de, de 125 personnes. On est répartis sur quatre sites. Euh, notre activité de recherche et développement est à Lac, à côté de Pau. Notre activité de production industrielle est au Salin de Giraud, au plein milieu du parc national de Camargue. Notre site de conditionnement est un petit village à côté de Cahors, qui s'appelle Parnac. Et enfin, le siège du groupe est à Saint-Cloud. En banlieue parisienne, M2I, c'est une société qui fabrique des méthodes alternatives de biocontrôle qui vont venir remplacer les, euh, les insecticides. Concrètement, si on essaye d'illustrer, ça donne quoi l'activité de M2I Alors c'est un côté ludique. Les insectes communiquent entre eux par les odeurs, qu'elles soient alimentaires, qu'elles soient sexuelles, qu'elles soient des odeurs d'alarme pour alerter leurs congénères. Donc on va reproduire de façon synthétique, par biomimétisme, ces odeurs, et on va s'en servir pour jouer le rôle de leur. Donc soit pour faire croire à un insecte que là où il avait l'habitude de se reproduire, ou de trouver de la nourriture, on va l'emmener loin des cultures ou des, ou des plantes qu'on euh, qu veut protéger. Et le gros avantage, c'est qu'on n'utilise plus de pesticides Pas du tout. C'est pas invasif, il n'y a pas d'intrant dans l'environnement, c'est totalement neutre. Et par définition, puisqu'on joue sur le système de communication entre elles, il n'y a pas de risque de développement de résistance. Je le précisais, vous avez été lauréat en 2016 de la France des solutions. Qu'est-ce que vous a apporté cette reconnaissance ben Vous venez de le dire, je crois d'abord une reconnaissance. C'est extrêmement valorisant, dans un cadre extrêmement prestigieux, euh, d'obtenir de, de, et de, de recevoir de, de cette reconnaissance, euh, Quel est, est l'aboutissement, surtout en 2016, on est quand même encore au démarrage de, de, de l'aventure, dans un moment où vous êtes né dans le guidon, si je puis dire, euh, c'est vraiment une satisfaction pour nous, évidemment, qui avons monté et qui dirigeons ce projet, pour les équipes qui ont trouvé aussi euh, une première reconnaissance concrète au travail qui était fait depuis, euh, depuis deux ans et demi à l'époque sur ces sujets-là. Donc c'est tous ces facteurs-là, très rares, pas assez fréquents dans la vie d'un entrepreneur, que la France des solutions nous a apportés par, euh, par ce prix. C'est le moyen de manager les équipes, de les motiver. C'est un moyen de leur de donner une visibilité à ce qu'elles font au quotidien et de montrer l'utilité de ce qu'elles font. C'est euh, surtout dans notre domaine où ça reste de l'industrie, ça reste de la recherche, ce pas forcément concret pour elles. Et cette reconnaissance, leur montrer de façon extrêmement pratique euh, l'aboutissement de ce qu'elles font tous les jours. Alors Gilles, comment vous aviez identifié cette initiative, cette solution alors nous, des solutions, on fait de la veille en permanence, on a des, des réseaux médiatiques, mais des réseaux aussi d'organisations associatives, entrepreneuriales, on a des bénévoles en région qui identifient des initiatives, donc on a toutes ces sources-là. Et là, c'est un de nos indices, si j'ose dire, qui nous a appris l'existence de, de M2E Life Science, dont on n'avait pas connaissance. On cherchait des initiatives un peu plus originales que... Euh, même si on les adore, hein, mais que l'énième agriculteur qui s'est converti au bio ou que des, des initiatives qu'on qu connaissait déjà, si vous voulez. Et là, on a été vraiment séduit par le concept, euh, par le fait que ce soit une alternative aux pesticides, compatible notamment avec l'agriculture bio, et qui est aussi une démarche industrielle avec la reprise et le sauve, la sauvegarde de sites industriels, d'emplois, etc. Donc il y avait de multiples dimensions économiques et environnementales euh, qui vraiment nous, nous ont passionnés. Quels sont les critères que doit remplir une initiative pour faire partie de la France des solutions Il y a une grille de critères assez proche, assez précise, pardon, euh, qui n'empêche pas les coups de cœur euh, euh, hors des critères d'impact, mais on a quand même des critères d'impact. C'est-à-dire qu'on va chercher des initiatives qui ont déjà fait la preuve qu'elles obtenaient des résultats. Si euh, une initiative vous dit je crée de l'emploi, je crée de la réinsertion sociale, euh, j'aide des personnes à se réinsérer, où euh, j'économise des tonnes de CO2, il est bon de savoir concrètement ce que ça donne. En termes quantitatifs parfois, en termes qualitatifs quand ce n'est pas possible, il euh, y, y a cet aspect-là, il euh, y a l'aspect reproductible ou essaimable, parce qu'évidemment, il n'y a pas de solution dans l'absolu, mais il y a des initiatives qui sont adaptées à des contraintes géographiques, à des contraintes locales, économiques, culturelles, donc il faut prendre en, en considération ces, ces spécificités. Euh, reste que... Il euh, y a euh, cette idée oui, de d'essaimage, de, de donner envie d'agir, une contagion positive en fait. C'est ce qu'on cherche. Donc on a une batterie d'une vingtaine de critères qui nous permettent d'apprécier euh, chacune des initiatives. Qu'est-ce que vous pensez de cette initiative Philippe bah, À force de dire que tout va mal, de temps en temps de dire qu'il y a des choses qui se passent bien et qui vont bien. C'est extrêmement rare. Donc c'est extrêmement agréable euh, pour un entrepreneur de faire de l'industrie en France. Combien de fois on nous a expliquer que c'était impossible et absolument pas viable et donc de voir des gens qui s'y intéressent autrement que par un prisme uniquement financier de court terme c'est c'est très agréable c'est très motivant ça entretient l'espoir que cette initiative et que ce projet va, va continuera vers, vers le succès et je dirais la meilleure preuve la meilleure preuve aujourd'hui pour nous c'est qu'on est qu on est aujourd'hui à l'été 2018, hein, et là, on revient en 2016. Et c'est l'avancement qu'il y a eu depuis 2016. Ça permet aujourd'hui aussi de regarder un peu tout ce qu'on a accompli ces deux dernières années. – Alors, quel est l'avancement Qu'est-ce que vous avez parcouru comme chemin en deux ans, entre 2016 et aujourd'hui ?– bah, En fait, ça a été vraiment ce qui était un espoir, entre guillemets, à l'époque. Et je crois que c'était vraiment le fondement, comme Gilles vient… Vient de l'expliquer, c'est devenu du concret, c'est devenu de extrêmement concret. C'est devenu plus de 70 produits vendus dans 26, euh, vendus 26 pays. C'est devenu des effectifs qui sont part, passés de 80-90 à plus de 130 hein, à, à aujourd'hui. Donc c'est vraiment l'étape d'après. C'est-à-dire qu'on est passé d'une idée dont on voyait apparaître les prémices. C'est pour ça que je le, je le comparais à l'espoir de. De cette distinction. À l'étape d'après, quel concret L'application, l'utilisation par des agriculteurs, l'utilisation dans les, dans les espaces verts, dans les, dans les jardins, la prise de conscience. Aujourd'hui, euh, euh, on n'ouvre plus un journal sans qu'on en parle. Aujourd'hui, c'est quelque chose qui est, qui est, qui est, qui est rentré dans la, conscience, dans la conscience collective. Et ce qui a été fait en 2016 à l'époque, c'est une des pierres qui a permis aujourd'hui à tout le monde de prendre conscience. Que c'était le sens de l'histoire, en fait, l'évolution de notre agriculture, de nos traitements de parcs et jardins vers des solutions, vers des solutions comme celle-là. Et alors, est-ce que la France des solutions a parcouru le même chemin que M2I entre 2016 et 2018 Est-ce que la France va mieux Est-ce que la France des solutions est en train de, de. Enfin, les solutions sont en train de fleurir partout en France Alors, on l'observe depuis plusieurs années déjà. Que, en effet quand on prend la peine de regarder ce qui se passe sur le terrain, on voit des choses formidables qui ne sont pas suffisamment médiatisées. Alors je ne sais pas si le fait que nous on s'intéresse de plus en plus à identifier ces initiatives reflète le fait qu'il y a de plus en plus de solutions ou le fait qu'on les ignorait jusqu'à présent. Euh, cela étant, je pense qu'il y a un état d'esprit qui est un peu plus positif peut-être aujourd'hui qu'il était en 2016, euh, globalement comme ça dans, dans la société, euh, cela étant, il y a encore des, des grands défis à relever, euh, ce, qui, ce qui incite, je pense, à travers l'exemple d'entrepreneurs, d'associatifs, de, de, de maires, etc., parce que les gens qu'on veut mettre en avant sont vraiment multiples, ils viennent d'horizons très très différents, euh, le fait de mettre les projecteurs sur ces personnes qui répondent à des problèmes concrets, je pense que ça peut créer l'envie d'agir. Et c'est ce qu'on cherche. Donc plus on sera de médias, comme vous le faites aujourd'hui et, et vous le faites très régulièrement sur demain TV, à, à mettre les projecteurs sur des initiatives concrètes euh, et à expliquer comment elles ont, elles ont surmonté des obstacles, comment elles se sont développées, euh, je pense plus ça aura un effet de, de contagion. Et pour se rendre compte du chemin parcouru, est-ce que vous avez une petite idée du nombre d'initiatives que vous avez recensées enfin, Moi, je dis d'initiatives où vous parlez de, de solutions. Oui. Et puis, est-ce que vous avez un ou deux exemples de solutions à, à présenter Tout à fait. Ben, là, aujourd'hui, dans nos bases de données, on a 5000 initiatives environ. Et euh, par exemple, quand on a fait le livre La France des solutions, il fallait qu'on en sélectionne 50. Ça a été euh, presque un casse-tête. Après, on avait nos, nos coups de cœur et les initiatives qui vraiment répondaient à tous nos critères. M2I Life Science en fait partie. Euh, voilà, on a identifié 50 à travers la France. Euh, parmi ces 50, je pense, pour, pour continuer sur l'industrie. Et vous, vous disiez, Philippe, euh, on nous a souvent dit que l'industrie made in France, ce n'était pas possible. Et pourtant, ils l'ont fait chez M2I ils le font euh, par exemple chez 1083. Euh, oui, dans la Drôme, euh, Thomas Heurier, qui est un jeune entrepreneur, qui s'est dit qu'est-ce que je peux faire pour ma région, à laquelle je tiens. Euh, j'ai vu euh, Charles Jourdan, j'ai vu les fabricants de chaussures euh, licenciés à tour de bras passer de 4000 à euh, 200 salariés en, en 20 ans. Euh, qu'est-ce que je peux faire Il a recréé une filière textile, il fait le jean Made in France, il fait les chaussures euh, aussi Made in France, euh, tout ça en bio. Euh, ou en, en équitable, euh, et il commence à recréer de l'emploi et à revaloriser cette filière euh, où on a un savoir-faire véritablement, mais qui était, laissé, euh, qui était euh, laissé en jachère. Un sujet totalement différent, le collectif des SDF de Lille. Un, un SDF, Gilbert, qui arrive à convaincre un, un propriétaire de lui louer un logement alors qu'il n'a que, euh, que c est, c est son RSA euh, pour vivre, euh, il se dit, si ça a marché pour moi, pourquoi pas pour d'autres en deux ans, il a réussi à aider plus de 200 personnes sur l'agglomération lilloise à trouver un logement, à convaincre un propriétaire. Vous voyez, c'est très vaste. Pour terminer, parce que vous êtes un entrepreneur et que la belle entreprise est aussi liée à l'entrepreneuriat, quel conseil vous pourriez donner aux gens qui veulent entreprendre et même pour euh, boucler, euh, pour trouver des solutions Ça part de quoi Qu'est-ce qui vous a donné envie d'entreprendre et comment vous êtes penché en disant "Bah moi, je veux régler un problème." C'est une aventure extraordinaire. Je crois qu'on n'apprend jamais autant sur soi-même que dans, dans l'entrepreneuriat. Beaucoup de gens diront, ça ne marchera pas, c'est trop compliqué, etc. Mais je crois que c'est une aventure unique dans une, dans une, dans une vie. Euh, il y a beaucoup, beaucoup de choses à faire. Il y a ce pays a toutes les qualités. Pour, pour réussir, euh, on est très fort en éducation. De notre jeunesse, on est très fort dans notre parc industriel. On est très fort dans plein de domaines. Je crois que c'est juste une question d'y croire, euh, de ne pas s'arrêter au premier obstacle. C'est pas facile tous les jours. Merci à vous pour cet éclairage. Merci. Merci. Pour ceux qui voudraient prolonger ces discussions, il y a deux sites internet reporterd'espoir.org et m 2 i livescience avec un s.com. On se retrouve la semaine prochaine. En attendant que le souffle de la création et que l'esprit de demain vous accompagne. Au revoir.